Les n'a pas ces oiseaux, nous toujours gagne idée qui à peu près clair de à qui ça animal ça ressemble. Yo tout net gain plume, la plupart n'a au voler, yo construit nicho et puis yo gain bec. Gain un pelado qui semblait un pelou na clotte, mais gain l'autre tout qui vraiment remarquable. Que ce soit pour plume colorée ou bien longue bec yo a, eh bien moi c'est toi installé confortablement pour la découvrir ensemble dans vidéo ça, 10 oiseaux qui pied étrange dans mode là. Bonjour, bonsoir, famille, soit pas de connaissance. Moi, content avec vous l'autre fois encore pour vous présenter une nouvelle vidéo. Ça, côté que nous parlons ensemble, 10 oiseaux qui pient étranges dans le monde là. Avant de commencer, si vous pouvez vous abonner à la chaîne là, je vais vous faire ça couler à même pour parler de l'autre belle vidéo que m'a porté pour vous. Like vidéo à soit apprécié l'idée et puis partagez pour qu'aide nous porter le bail plus. Mon nouveau façon pour qu'aide nous à grandir famille ça ensemble. Déjà, moi, je vous remercie pour le support en nous entrer directement dans la vidéo nous aujourd'hui. Kakapo. Est-ce que vous avez quelques noms d'oiseaux qui ne peuvent pas voler? En attendant de réfléchir, vous pouvez ajouter kakapo dans l'histoire. Même si ça n'est pas si prenant pour vous, mais les oiseaux sont gardés là que les kakapo sont des oiseaux qui ne peuvent pas voler. Les oiseaux sont en danger d'extinction, le fait qu'ils ne peuvent pas plus que 120 hectares maintenant. Donc ça explique en partie par la colonisation de Nouvelle-Zélande qui est le pays côté au sortir. Cependant, avant la guerre faute la sous humanité, qui t'aime souligner pour que les oiseaux ne soient pas accouplés, puisqu'il y a environ 3 fois par décennie. Donc ça explique pour qui ça, il y a seulement 125 kakapo dans tout le monde. Et heureusement, ils ont identifié les oiseaux et ils ont mis dans un programme spécial en Nouvelle-Zélande créé le Kakapo Recovery Program qui permet de suivre chaque grain de kakapo et puis jeune moyen pour aider la population à grandir et puis rester sous terre. Yo met yo sou l'île sa ou ki se onshore ak mori pou yo ka poteje yo. Se n pa bli a di ou ke gen yon ti group sou il sa ki le lelo bagye a tou. Zwazo parapluie. Le wap ka de zwazo sa ou ta ka di ke li sorti nan randevou de coiffure. Lire le zwazo parapluie, et li si yon zwazo exotique ke ou jwenn principalement dans quelques forêts humides dans le sud-ouest pays Colombie, jusqu'à province Équateur sa akrili El Oloa. Nan yo a sorti nan akasya de plume langyoa ak lang gojoa ki très présent la kaimali. Akasya a trouvé à 42 cm du centre de poitrine yo et yo gonfle nan moment rituel parade nuptial yo. Le fait que yo ka koutou le fonction sa et puis retracte le pandé à voler paraît très intéressant. Les oiseaux sont frugivores, donc ça veut dire qu'ils ont même mangé fruits, principalement plantes que le pape même essayé de manger. Le paradisier à ruban. Les oiseaux sont aussi originaires de Papouasie en Nouvelle-Guinée et aussi des oiseaux qui gagnent plus long que par rapport à la taille corporelle parmi tous les oiseaux dans le monde. Dans quelques cas, l'onque raconte 3 fois plus long que le score. C'est grâce à clon que ça a mal attiré compagnon qui implique généralement que la transmission jeune est beaucoup plus forte. Malgré que ça paraît aidé en cas de problème, cependant, yo doit souvent démêler avant de voler loin de danger. Quand yon généralement ka mesure jusqu'à 30 cm de hauteur, il est couvert avec plumes noires et veloutées. Yo nourri principalement des insectes fruitiers, araignées et puis grenouilles. Yo gen un cri qui semble à cri promenade ou bien au marché à cause de petite taille. Zozo sa remè vivre dans la forêt, tant que dans la montagne humide. Cigogne à bec de chaussures. Yo rele zozo sa aussi cigogne à bec de chaussures à cause des formes particulières bec yo. Ou ap jwenn yo dans la région tropicale Asia et Afrique de l'Est. Yo vivent dans la zone marécageuse en Ouganda et Sud-Soudan, côté qui a patrouillé dans Doha pour chercher nourriture préférée. Les oiseaux sont capables de mesurer jusqu'à 1,50 m de hauteur et ont une envergure de 1,80 m. Ils ont toujours regardé de tous côtés en attendant que manger apparaît dans l'eau. Malgré nos étrangers gagnants, ça ne veut pas dire que c'est vraiment une sorte de cigogne, mais ils sont plus proches des pélicans qui expliquent pour qui ça, ils ont un grand bec. Premier zoologiste qui t'a écrit sur te fait connaître que yo gen une sorte d'émotion et yo présente un comportement étrange tout qui relait Hydros de Euros qui t'a surprendre monde qui t'a rencontré yo pour la première fois. Donc yo t'a de fait que sous jambio le campé et ça aide au réduit propre température corporelle yo avant de passer à Claude Bagay. Hawaïen.
Zozo Hawaii yo vive dans Marécage, Amérique du Sud yo, et yo te considéré comme étroitement lié avec fossiles qui yo te joine dans l'époque dinosaure yo. Yo nou yo de matière végétale et yo gen un système digestif qui fait yo faire manger yo, même j'ai avec vache yo. Yo pas très doué pour voler et yo souvent maladroit. Yo essaie de déplacer de pêche en pêche, mais yo était généralement immobile la plupart du temps. Zo poitrine est parfaitement placé pour servir comme trépied et ce qu'on sent zo sa ou karité campé, même l'estomac yo plein. Yo ka grandi jusqu'à 25.6 pouces de longueur et yo pèse moins que 2 livres. Yo gen un visage bleu, yeux rouges ak yon crête sous tête yo, sans pas oublier que yo nage très bientôt. Yo généralement consigne chaud sous de l'eau, donc si gen un prédateur qui t'attente pour atteindre yo, yo tout simplement glisser dans de l'eau et puis yo nage aller jusqu'à rive là en attendant que menace là disparaisse. Petat ville Turin. Petat yo de culture, yo si originaire de prairie yo ak savane Afrique du Nord-Est yo, tan kou pays sa yo ki se Éthiopie, Kenya ak Somalie. Yo ba yo nan sa se gas ak tèt yo, couche yo vyo wa, zye rouge yo wa, visage bleu yo wa, poitrine bleu vif yo wa, ak plumage noir et blanc, rye yo wa. Zwazon sa yo vive généralement en groupe et yo ka kreye ale bien loin pou yo ka communiquer entre yo. Mais dans le moment qui manque de manger ou bien pas de place pour percher, les oiseaux sont devenus très violents l'un envers l'autre et ont même goûté pour manger. Yo se touyon nan zazo qui plus agressif. Indien du rocher. Avec couleur li ak aussi frappante ak yon sin inhabituel, c'est bon bagay qui surprenant que les oiseaux sa ki rele Indien du rocher te devenu oiseau national pays Pérou qui se côté la vive là. Plumage vif li a etan sous tête li ak poitrine li et pli gen plume gris ak noir nan ke li ak zèl li yo. Nap jwenn zwazo sa pli ba tout près sous dlo yo. Li nourri li principalement de fruits ak insectes et pendant saison lan mouyo, li gen yon danse de séduction compétitive inhabituel. Donc ou apren un groupe de mâles ap sauter de yo en bas pou yo ka tenter attirer attention femelle yo. Rufus Pug. Rufus Pig yo si ensemble de petits oiseaux qui yo jwenn nan plein Amazonie. Zozo sa a très difficile pour ta repérer à cause de semblance qui semblait à yon fè qui en décomposition. Nous pas kont trop pile bagay sou yo, mais yo ka atteinn yon taille de 10 pouces à yon poids de seulement 2 livres. Malyo ak femel yo semblé en pile nan apparence yo et yo souvent remen même bagay. Pendant la majeure partie des vidéos, Zozo sa a perfectionné technique de chasse yo et on va se vivre ka combattre prédateurs yo dans région Venezuela, Équateur, Pérou ak Brésil. Zozo sa a chassé ak manje seulement la nuit parce que la journée, yo passe tout le temps yo a dormi. Zozo frégate. Zozo sa a créé les oiseaux frégate là, c'est ensemble des gros oiseaux de mer qui vivent dans la région côtière tropicale Amérique yo. Yo ka atteinn yon taille de 45 pouces ak yon envergure de 8 pieds. Malyo ki yon sac de guillet rouge inconfortable ak yo utilize pou yo ka attire compagnie yo. Yo nourri yo de poisson ki yo attrape pendant yo plonge nan la mer et yo ka wè yo kap attrape poisson kap vole pendant yo kampe dehors la mer. Yo gen comportement tout ki le parasitisme kleptoman ki permet yo wè et puis attaquer l'autre oiseau yo, nou jeti pou le café yo regurgiter, manje yo te manje yo. Yo mange les oiseaux qui même type avec yo et yo si on a un ras oiseau qui ka passer plusieurs jours à voler sans débouquer. Yo enregistre que les oiseaux sa couri 139 miles avant de reposer. Yo utilise courant thermique yo pour yo ka atteindre altitude qui allait jusqu'à 8200 pieds qui permet de parcourir une grande distance sans gros effort. Le canard des mers à spectacle. Canard de mer yo si yon espèce inhabituelle de grand canard de mer yo que nous jouons dans les eaux froides de l'Alaska ak nan Nord-Sibérie. Yo mesure 22 pouces de longueur et ou ka identifié avec poitrine noire yo, zèl blanc yo ak plusieurs marques très étranges dans visage yo. Yo si yon ensemble d'espèces plongeuses qui nourri principalement des mollusques ak crustacés dans la mer. Yo déplacé à la partie l'est zone qui imite dans saison printemps dans moment y a faire reproduction. Population espèce ça a été rapidement diminué entre années 70 à 90. Donc tu vas comprendre pour qui ça exactement ça a été fait, mais au classé au couler comme oiseau qui menacé à cause que pas gain plus que 3 zones de nidification principale qui c'est la plaine côtière Alaska yo, là aussi à Yukon.
Zone d'identification ça en cours de disparition, mais gien pile le fort qu'a fait pour empêcher récolte illégale animal ça. C'est tout oiseau qui pied étranger qui m'était content porter pour dans vidéo nous pour aujourd'hui. Moi j'espère que vous t'aimez, même si on m'était prendre tout plaisir pour me réaliser le pour. Pas oublier like vidéo si vous t'aimez, partager pour aider nous porter le bail plus monde et surtout si vous pourquoi abonner, m'a pas vite faire ça couler pour partager l'autre belle vidéo que m'a porter pour vous. L'été pour me dire merci parce que vous t'avez gardé vidéo jusqu'à la fin et puis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.